Salut à tous, bienvenue sur la chaîne DT Game. Alors aujourd'hui on va voir quelques petites astuces. Donc vous verrez, c'est vraiment des petites astuces. Alors c'est vraiment pour les débutants du jeu. C'est sûr que si vous regardez la vidéo, certains vont me dire tu te fous de ma gueule avec ces astuces, tu nous prends pour un con. Mais il y a des fois des trucs qui peuvent paraître évidents, mais qu'on ne trouve pas sur le moment. Du coup, ben voilà, on va voir toutes les petites astuces. Et si on faut, ben après j'en ferai un deuxième. Voilà. Alors sachez qu'aujourd'hui il y aura deux vidéos. Il y aura la vidéo sur les petites astuces, et il y aura une autre vidéo qu'un abonné m'a demandé, c'est sur le changement de moteur, qui sera un peu plus tard dans la journée, dans le courant de l'après-midi, elle sortira. Voilà. Et bien sûr, un bon gros live si pratiquement toute l'après-midi, parce que bah, vous verrez en fin de vidéo pourquoi. Allez, alors c'est parti pour la première petite astuce. Alors sachez que vous pouvez faire plusieurs sauvegardes. Dans le menu principal, dans le profil, vous avez trois slots. Vous pouvez faire trois sauvegardes différents. Genre un mode normal, un mode expert et un mode bac à sable. Voilà. Alors ensuite, bah, vous savez tout ça pour la tablette. Hein, la tablette qu'on peut ouvrir directement avec carré, si vous ne savez pas. Mais on peut le faire depuis n'importe où. Ça veut dire que si vous travaillez sur votre voiture... Voilà, on va se mettre là. On va dire j'enlève le pot. Tac. Je me mets en mode montage de pièces. Voilà, tac, j'ai ma pièce. On prend le raccourci rapide. Là, vous le mettez dans la liste. Comme ça, hop. Par exemple. Et en fait, sans quitter en fait la voiture, vous pouvez appuyer sur carré. Voilà. Et directement acheter et remonter directement sans... voilà. S'enlever et recommencer. Bon, on va peut-être remettre ce pot hein, parce que c'est une voiture cliente. Voilà, tiens, récupère ton pot. Voilà. Alors ensuite, troisième petite astuce, c'est l'entrepôt qu'on débloque au level 12. Sachez que dans l'entrepôt, il y a plusieurs espaces de stockage. Il n'y en a pas qu'un. Vous appuyez sur triangle, vous avez 8 espaces de stockage. Voilà. Alors pour les réparations, souvent dans les réparations, il y a souvent en fait on vous demande de par exemple, réparer le moteur ou quoi que ce soit, mais souvent il y a une pièce qu'à chaque fois vous trouvez pas. Et bah alors souvent ça va être ici le réservoir. Alors attendez, je zoome dessus et ça va être la pompe à carburant. Souvent ou le radiateur. Alors sachez que des fois voilà, c'est des petits trucs comme ça qu'il faut regarder autre part, c'est des fois vous allez démonter le moteur entièrement. Alors voilà, ça c'est des petits trucs à vérifier à chaque fois. C'est surtout dans les réparations de mission, hein, parce qu'ils sont assez malins, c'est dans les réparations de mission qu'il y a toujours un petit truc qu'on cherche et qu'on trouve pas. Voilà. J'avais vu aussi le montage de la carrosserie, c'est tout simple. En fait c'est... Regardez. En fait il faut se mettre en mode, voilà, montage. Je sais, hein, comme je vous dis, c'est vraiment des petites astuces, mais voilà, c'est des questions que j'ai vues sur les forums et tout ça. Du coup, ben, je le fais. Alors ensuite, ben, la liste rapide, ça on l'a vu avant, hein. Hop, hein, mettre dans la liste, ça y a pas de souci. Ah oui, j'avais vu un problème aussi avec les suspensions. Alors sachez qu'en fait, là, vous avez le démonte, voilà, faut démonter les suspensions pour changer, voilà, la coupelle ou quoi que ce soit. Ensuite, souvent, la question qui revient, c'est aussi... J'arrive pas à monter ma roue, pourtant j'ai la jante neuve avec les pneus neufs. C'est juste qu'elle est pas équilibrée en fait. Si elle est pas équilibrée, elle apparaîtra pas dans le montage. Si elle est pas équilibrée, vous pouvez pas la monter. En vrai, on pourrait, mais là, on peut pas. Sachez que vous avez une personnalisation de garage. Pour ceux qui ne le savent pas, qui se trouve ici. Là, vous avez la porte du garage. À sa gauche, vous avez une échelle. Et voilà. Et là, vous pouvez tout personnaliser. Regardez. Le sol... Alors attendez, voilà les murs, vous avez vu la couleur des murs, voilà, vraiment tout changé, hein. C'est pas mal, c'est un petit truc en plus, c'est plaisant, ça change de décor de temps en temps, voilà. Alors ça sera tout pour aujourd'hui pour les petites astuces, hein. Je vais aller monter aussi l'autre vidéo pour le moteur, et ensuite on a le petit bonus. Alors, on va aller revendre cette voiture. Ah oui, et pour les réparations aussi, on a... Ce que j'avais vu aussi des fois, c'est ça. Voilà.
Alors, c'est des fois si vous trouvez pas la pièce, bon là, là voilà, mais voilà, des fois quand c'est une petite pièce que vous l'avez trouvée pas, en fait vous allez dessus là, avec la flèche, et vous appuyez sur carré. En fait, et une fois que vous allez aller en dessous, la pièce va s'afficher en bleu. Voilà. Allez, on passe pour le petit bonus. Il faut que je finisse cette voiture. Et voilà, vous avez vu ce qui vient de se passer au-dessus? Level 30, c'est parti. Voilà pourquoi il y a un gros live cet après-midi. Parce qu'enfin, on va se faire plaisir. On agrandit le garage, on reçoit le pont, on reçoit la cabine. On reçoit. Ça c'est du grand garage. Ah, là on va se faire plaisir. Ah, là on va pouvoir travailler sur plusieurs voitures en même temps. Du coup alors on a débloqué ça. Qu'est-ce que... Je regarde si le poste à souder alors il se débloque, si c'est au level 35 ou pas. Ah bah non, on l'a. On a le poste à souder pour réparer la rouille. Ça c'est nickel. C'est nickel. Pas besoin d'attendre le level 35 en fait. Là je pensais qu'il fallait la réparation de carrosserie mais non. Et notre cabine à peinture, la voici. Le Saint Graal de Car Mécanique Simulator, ce que tout le monde attend. La cabine à peinture. On va pouvoir enfin sortir les vidéos où on retape des voitures. Aujourd'hui, ça sera en live, mais il y aura aussi des vidéos voilà, qui seront, je pense, en trois parties. On fera la partie moteur, je pense. En premier, après suspension et après carrosserie, je pense. Parce que sinon, ça ferait des vidéos trop longues. Hein. Mais on va faire que des vidéos en accéléré. Hein. C'est pas le but, alors ouais, c'est pour ça. Je pense que les vidéos où on va retaper des voitures, ça sera en trois parties. Et des fois aussi sur les lives. Alors, sachez que pour les lives, en fait, les lives, je vais les laisser sur ma chaîne YouTube. Hein, les lives où je retape des voitures. Sauf qu'en fait. Dans le fil du temps, en fait, pour pas que ça fasse trop de vidéos live sur ma chaîne, en fait, quand quelqu'un vient, regarde mes vidéos, pas que ça soit brouillon ou quoi que ce soit, quoi que. Faut que ça soit clair, quoi, quand on voit les vidéos. Alors, ils seront non répertoriés. Ça veut dire que, au début, je les laisse, mais après, ils seront non répertoriés. Si vous retrouvez des voitures où je retape des. Retrouver des voitures. Retrouver des vidéos où je retape des voitures en live, il faudra aller, en fait, dans ma playlist. Ils seront dans la playlist. Voilà. Mais c'est juste qu'à un bout d'un moment, en fait, je vais arrêter de les répertorier, je vais les mettre en nom. Voilà. Alors, ben. Ah oui, on a aussi le nettoyage intérieur. Hein, bon, en fait, c'est pour réparer l'intérieur. Ah, nickel, c'est nickel. Là, ça y est, enfin. Enfin, on va pouvoir se faire plaisir. Parce que là, je vous jure, je commence à saturer. Les lives, on farm le level 30, on farm le level 30, on farm la cabine. Ça y est, c'est enfin terminé. On va enfin avoir de vrais lives. Voilà, moi c'est vrai que je commence un peu à saturer, à farmer les boîtes de vitesse. Hein. Voilà, mais là, enfin, on va pouvoir se faire plaisir. Parce que bon, après, voilà, les niveaux sont pas si importants que ça. Voilà, on a juste celui-là pour réparer les pièces de carrosserie. Mais après, je m'en fous, je peux les acheter, c'est pas un souci. Regardez, hein, grâce aux boîtes de vitesse, hein, je vous l'ai dit, on gagne de l'argent aussi en même temps. Hein, je suis à 573 000. Alors c'est pour ça, là, on va se faire plaisir cet après-midi en live. Voilà, ça c'est pour courir un peu plus vite. Voilà, quoi, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Voilà, on va dire que maintenant les niveaux, on s'en fout totalement. Ouh là là, désolé. Et ben alors, merci d'avoir regardé la vidéo. Vous aurez la vidéo cet après-midi sur le changement de moteur. Et bien sûr, le live toute l'après-midi. On va retaper des bagnoles de A à Z. On va en prendre à la casse. On va en prendre dans les granges. On va se faire plaisir. Allez. Et bien sûr, je voudrais remercier hein, tous ceux qui ont fait monter ma première vidéo à plus de 1300 vues. Merci à vous et merci à tous ceux qui se sont abonnés depuis que je fais les vidéos sur Car Mécanique. Du coup, bah, merci à vous. Allez, à toutes.